Pour nous, c'est le rendez-vous de l'année. Il n'y a pas beaucoup de disciplines en dehors de la Formule 1 qui ont la chance de courir à Monaco. Donc même le faire en Clio Trophy, c'est toujours un grand rendez-vous pour nous. There is no such place in the world that has a certain such a, an atmosphere as in the Monaco Grand Prix weekend. It's just everybody should come and see. Es lo máximo para un piloto estar junto a la Fórmula 1, aunque sea en otra categoría. Pero estoy muy contento de estar aquí. Toutes les courses, elles sont pareilles, on se défonce pareil, puis il y en a où il y a la réussite totale. Et donc, Monaco 72, pour moi, la grande réussite, c'est qu'elle faisait suite à une série d'échecs depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est là où le plaisir est immense. C'est de faire du mieux qu'on peut. C'est vrai que c'est de la chance que je sois à l'aise ici. Et c'est de la chance aussi que papa ait gagné ici. Donc ce qui fait que c'est vrai que quelque part on peut parler un petit peu de tradition. Les conseils, ce sont un peu toujours les mêmes. Hein. Des conseils de concentration, des conseils de vigilance. Maintenant, il va pas me dire où est-ce qu'il faut que je tourne le volant et où est-ce qu'il faut que je freine et quand est-ce qu'il faut que j'accélère. Je crois que je sais pas si je suis capable ou pas, mais c'est son propre feeling. Ça, on peut pas l'apprendre. Il y a tous les atouts pour bien arriver. Et ce que je lui dis, ne gâche pas ces atouts que le bon Dieu t'a donné. Il faut être au bout et être, si possible, performant. Tour par tour, le plus performant possible, sans jamais se relâcher. Tout le monde regrette, vous savez, dans le sport automobile, on regrette la Renault Gordini, les courses de R8 Gordini. Tout le monde regrette ça. Et bien, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, la Clio V6, c'est la Renault 8 Gordini. De cette époque bénie du démarrage du sport automobile, et qui a fait que le sport automobile français a atteint les sommets avec des victoires au Mans, des victoires en Formule 1, etc., etc. I punti molto difficili. Le piscine dove fai il tempo e dove la macchina è molto difficile da guidare perché tende a partire molto facilmente in sovrasterzo, quindi via col posteriore e per fare il tempo devi entrarci veloce lo stesso, quindi è particolare. On doit beaucoup se battre avec la voiture, ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de mouvements des bras et on a une direction qui est assez longue. Donc c'est assez pénible de ce côté-là. Vitesse de pointe, ça va, mais il y a encore une chose, il fait très chaud dans la voiture. It's hard to drive because it's so bloody hot inside, and that's the reason that I'm using a cooling system out of a bottle. And that gives me a little bit more power. And also, I have something cold to drink because with my age, I need something like that. This is my drink system. It's really cold, a special energy drink.
sono preso parecchi rischi, in tante curve ero al limite e soprattutto direi alle curve delle piscine dove ho fatto il mio tempo. Un petit peu de réussite, j'ai eu de la réussite hier quand Rangoni et Beliki s'accrochent. Ça m'a permis de partir en pole position, il fallait que je fasse un bon départ et après je pense que je devais contrôler la course, c'est ce qui a été le cas. Bon bah ok papa. Bah merci beaucoup, non, bah, faut que je te laisse.